Il a été maire pendant 6 ans, de 2008 à 2014. Jean-Pierre Dhermite veut aujourd'hui récupérer la place qu'il a perdue lors des dernières élections municipales. Et voici comment il compte s'y prendre. Biot, 10 000 habitants, ils sont 4 candidats pour un fauteuil. La maire sortante, Guylaine Debras, sans étiquette. Lui aussi a été maire entre 2008 et 2014. Depuis, Jean-Pierre Dhermite est passé conseiller municipal d'opposition, estampillé Les Républicains. Sophie Dechintre, ex-conseillère municipale lors de la précédente mandature. Elle est actuellement conseillère départementale LR. Enfin, Michel Coe, il est président d'un collectif créé après les inondations de 2015. Il se dit sans étiquette. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon était arrivé en tête devant le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron, qui avait largement emporté ici le second tour. Jean-Pierre Dhermite, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici sur un terrain qui s'appelle le terrain de Saint-Éloi. C'est le symbole de ce que vous combattez aujourd'hui dans la campagne municipale. Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est un terrain communal où la municipalité actuelle a décidé de le vendre à un promoteur pour y bâtir 130 logements. Et mon inquiétude, elle vient de plusieurs horizons. Déjà, la Brague, juste en dessous, vous avez la Brague. Là, on va imperméabiliser pratiquement 11 000 m² de béton. Il va y avoir 260 voitures qui vont sortir sur la route départementale où le département a déjà donné ses autorisations. On ne peut pas empêcher la commune de se développer. On ne peut pas arrêter de rêver. Le développement doit faire partie de nos ambitions. Maintenant, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, la priorité, c'est la mise en sécurité de la plaine de la Braque. C'est à partir du moment où on aura sécurisé la plaine de la Brague, qu'on pourra réfléchir et ambitionner des projets plus importants. Aujourd'hui, il est prévu à moyen terme 1100 logements sur la commune. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre capacité, notre population de 25%, ce qui est énorme, ce qu'on n'a jamais vécu ces dernières années. Les inondations meurtrières de 2015, est-ce qu'elles auraient pu, selon vous, être gérées autrement? Certainement. Ce qu'on a beaucoup souffert, c'est du manque d'informations. On avait installé un système d'alerte qui n'a pas fonctionné. Il aurait fallu couper ce trafic automobile. On a retrouvé énormément de voitures, aussi bien dans le fleuve que dans ses affluents, qui ont créé des embâcles importants avec des montées des eaux. Et c'est vrai que je pense que cette gestion aurait pu être plus professionnelle. Il y a des erreurs qui ont été faites, selon vous ? Écoutez, il y a une mise en examen, la justice fait son travail, je ne vais pas me substituer à la justice. Alors Jean-Pierre Dhermite, on a posé des questions au Biotois. Vous allez voir, je vais vous soumettre deux questions et vous allez y répondre. Surtout des commerces de proximité, c'est ce qui manque à Biot. Pharmacie, boucher, épicerie. Alors je pense que c'est peut-être difficile parce que c'est du domaine du privé et voilà. Eh bien, ayant un enfant, je pense qu'il y a pas forcément ce qu'il faut pour les ados, etc., pour qu'ils puissent le mercredi et le week-end. Avant, il y avait le skatepark en bas, il est fermé. Donc, en fait, les ados et les jeunes, ils tournent un petit peu en rond. Alors, deux points. D'abord, les commerces de proximité. C'est vrai que Biot, aujourd'hui, n'a plus ses atouts d'antan. Il faut absolument redonner un élan dynamique pour qu'on puisse donner envie aux Biotois et plus largement aux habitants des autres communes de se réapproprier le village. Deuxième question, la personne qui était interrogée disait que les adolescents n'avaient pas grand-chose à faire à Biot. En clair, que pour se distraire, ils étaient obligés de quitter le village. Qu'est-ce que vous proposez en la matière? Dans notre programme, on a prévu deux pistes, un city-stade et puis une salle omnisport pour qu'on puisse pratiquer tous les sports indoor. Jeu de ballon, hein, le basket, le hand, le volley, qui manque cruellement sur la commune aujourd'hui. Un peu de politique, Jean-Pierre Dhermite. Il y a une candidate LR, une autre candidate LR dans cette élection. Elle emploie un terme assez fort vous concernant. Elle parle de malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que vous proposeriez des choses que vous ne seriez pas en mesure de faire. Par exemple, faire des constructions sur des terrains où tous les recours auraient été épuisés et où donc ce ne serait pas possible. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que cette personne a démissionné du conseil municipal et n'a pas forcément la connaissance des dossiers comme je peux l'avoir. Aujourd'hui, je tiens des promesses, j'ai toujours tenu mes promesses auprès des Biotois et je tiendrai celles-ci encore. Merci Jean-Pierre Dhermite. Je vous en prie.
Sur le chemin qui l'amènera peut-être à nouveau dans le fauteuil de maire, Jean-Pierre Dhermitte va retrouver Guylaine Debras, comme il y a 6 ans. Guylaine Debras, c'est la maire sortante et c'est son programme que nous découvrirons demain.